Bonjour à tous. On vient encore de finir une installation du HVAC avec des prises rapide flex. Donc vous avez le flexible stocké dans le réseau de canalisation. On a juste à sortir le flexible. Il existe différentes longueurs. On va jusqu'au bout. Il suffit de le bloquer, de déclencher la centrale d'aspiration. On met les accessoires au bout et on passe l'aspirateur. Une fois que c'est fini, il suffit de déboîter le flexible, de débloquer le flexible, et par l'aspirateur, flexible par là. Sur la même installation, au niveau du sous-sol, on a deux bouches d'aspiration, une prise au service qui va permettre d'aspirer donc les voitures, ici. On en a juste un flexible en pointé, on passe dans le faux plafond. Après, on a la centrale d'aspiration, qui, elle, est dans un local technique. Ici, il suffit juste de déclipser la centrale d'aspiration. Pour l'entretien, il suffit juste de déclipser la cuve, qui est en alu, donc très légère. Soit vous mettez des sacs à l'intérieur, comme ça vous n'avez pas du tout accès à la poussière. Le sac, lui, se change au bout de 6 mois. Et le filtre, lui, à l'intérieur, durée de vie 13-15 ans, et se passe au robinet ou en machine à laver. Il se remet une fois sec et vous avez juste la cuve à remettre. Donc soit consommable, soit pas de consommable. Sur la même installation, on a une dernière bouche pour une partie technique. Là, le flexible est posé directement à la centrale d'aspiration. Et elle va passer sur l'aspirateur.